Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, nickel, ça va très bien. Aujourd'hui, deux vide-greniers. Alors, espérons qu'on va trouver des petits trésors. Enfin, j'espère. Allez, à toutes! Salut. Comment se trouve? Mais bien. Ouais, ça va. Mais très bien. Il fait beau. Il va faire beau. Ouais. Génial. Terrible épouvantail. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Fantastique. Comme vous ne l'avez jamais vu. Vous faites combien la carte? Je sais pas moi, je connais rien. Si vous prenez le tout, je vous fais un peu. Combien le tout? 40, le tout. D'accord. Ah, c'est vraiment... Ouais. On les trouve presque plus encore. Ouais. Ok, bon. Je vais réfléchir. Merci beaucoup. Bonjour.
Karolovitch. La boîte, elle est vide ? Il y a 3, à l'E3. Ok, bon, on va voir si on trouve à l'E3. Ça y est, on fait un bon action de la journée. Bonjour. Bonjour. C'est pas moi. Si je prends plus de place, c'est pareil, même prix. Ah, c'est 2 jours. Ah, parce que moi, je fais les 2 jours là-bas aussi. Je dormis là-bas. Par contre, je vais acheter des tonnes que ça se voit sympa, joli. Maintenant, je vais faire des grandes portes de vue là, que ça se voit sympa comme une exposition. Le problème, c'est que l'usin, c'est très cher là, et c'est tout de trouver un local pour le payer. La même façon que la ville, c'est 10 000. On en trouve une à 2 500. Rebonjour. Avant de commencer le compte rendu, je voudrais faire une petite parenthèse. Je voulais dire un immense merci à vous parce que la chaîne vient de dépasser les 300 abonnés. Franchement, c'est juste merveilleux. Alors, je voulais dire un grand merci à vous tous. Voilà, je suis super content, super heureux. Sans vous, cette chaîne ne serait pas là où elle est en ce moment. Voilà, j'avais dit à ma précédente vidéo du concours que je ferais un autre concours à mes 500 abonnés quand j'atteindrai mes 500 abonnés, mais je pense que je vais faire un petit concours quand je vais atteindre mes 350 abonnés. Voilà. Fin de la parenthèse. Bon. Alors, j'espère que ce petit live vous a plu déjà. Allez, c'est parti pour le compte rendu. Alors, tout d'abord, pour 2 francs, 2 euros, j'ai trouvé le conte de Monte Cristo, l'adaptation manga. Voilà. Il y a 24 épisodes. Alors, j'avais entendu parler à l'époque quand c'était sorti, mais je ne me suis pas trop attardé dessus. Voilà. On verra bien. Alors, bon, je pense que le conte de Monte Cristo, tout le monde connaît. Il y a eu plusieurs dizaines d'adaptations, films, séries. Alors, moi, ce que je me souviens, c'était la série avec Gérard Depardieu. Voilà. Que j'avais super bien aimé, franchement c'était une très bonne série. Voilà, je vous montre un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà,
Oui, j'ai dit, ça m'a coûté le coffret 2 francs, 2 euros. Voilà. Alors, en DVD, c'est fini. Maintenant, les jeux vidéo. Alors, tout d'abord, une exclue 360. La semaine dernière, j'ai rentré le premier épisode. Là, c'est le deuxième épisode. Le Fable numéro 2. Voilà. Il est complet. C'est un action RPG. Alors, je connais juste la licence. J'ai jamais joué. Mais on m'a dit que du bien sur cette licence. Vu que c'est une exclu 360, je suis super content. Après, j'ai eu Lips, aussi une exclu 360, comme vous pouvez voir là. Il est complet aussi, super content. Alors ça, c'est un jeu de champ. Ah. Je suis certain que je vais jamais y jouer. Voilà. Alors, chaque jeu, j'ai eu pour... ça coûtait 3 francs, 3 euros, chaque jeu. Après, une exclue aussi, mais c'était une exclue en premier temps. C'était le GTA Liberty City. Voilà. What is up, homie? Somebody looking for a fat slob with a bladder problem? I love you, Johnny. If it wasn't for me, you'd be selling dime bags on a street corner. I made you. Ladies and gentlemen, more shots! You don't judge me! Il est complet. Voilà. La notice. Et je pense que ça va être la carte. Ah oui, la carte. Ouais. Comment je vous montre ça? Voilà. La carte de GTA. Voilà. Derrière. Ah ouais, bon. Une jolie fille. Voilà. Voilà. Je disais que c'était une exclue en premier temps parce que après, il est sorti sur PlayStation 3, comme vous voyez là. Voilà. C'est exactement la même chose. Il y a la carte. Il est complet. La carte est, la carte est exactement la même. Oui, bah, c'est une évidence vu que le jeu c'est le même. Voilà. Après, tac tac. Pour finir, non, j'ai encore. J'ai pris une exclue Xbox premier du nom, le Oddworld Munch Odyssey. Voilà. Bon, je l'avais déjà, mais ça sera pour un échange. Voilà. Si quelqu'un est intéressé, il n'y a pas de souci, faites-moi signe sur mon compte Facebook ou Instagram. Voilà, il est complet. Le CD en parfait état. Voilà. Après ça, Xbox, c'est fini. Après, j'ai trouvé le Splinter Cell Blacklist, le Steelbook sur PlayStation 3. Super content. Le voilà. Voilà. Alors, c'est en... Tu incarnes Sam Fisher, un agent de la CIA ou... Ouais, je crois, mais je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. C'est un jeu action-infiltration. Alors, c'est vachement basé sur l'infiltration. Tu vas vraiment pas faire de bruit. Il faut vraiment être furtif. Voilà. Alors, je trouve que le steelbook, il est juste magnifique. Franchement, un très beau steelbook. Highly placed sources have leaked code words such as American fuel and American blood. I want information. How do I get the bombs off the hostages? Ah, I'll tell you.
security bomb. So what's your story? Alors, j'ai eu tout ça, trois francs le jeu, ça faisait 3, 6, 9, 12, 15. Voilà, 15 francs, et puis j'ai pu négocier à 12 francs, 12 euros. Voilà. Super content, voilà, très content, franchement, très très content. Et pour finir, j'ai trouvé le SOCOM 3 US Navy SEALs, voilà. Il est complet, c'est un jeu action tactique, voilà, un jeu de guerre. Alors, je l'avais déjà, mais il était en multilingue. Alors, je sais pas si vous pouvez le voir là, voilà. Il était complet, mais voilà. Alors, j'avais énormément beaucoup hésité à le prendre parce que je me rappelais plus s'il était en full français ou pas, mais il était pour 3 francs, 3 euros, j'ai pu négocier à 2, donc j'ai dit voilà, je le prends au cas où, ça sera pour un échange, mais voilà, je suis super content, donc je le rentre en full français, alors ça c'est nickel pour moi, je suis très content. Le petit SOCOM 3. Et c'est fini. Voilà. Alors j'espère que ça vous a plu. Si oui, mettez plein de pouces bleus, commentez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et je sais que je le dis à chaque fois, mais prenez soin de vous. Allez, bye bye.